Dernière news de ce bistrot, et là on va partir en forêt. En forêt abandonnée, avec une exclusivité PS5 qui vient tout juste, c'était là, il y a quelques heures à peine, dans la nuit, d'être dévoilée. Vous voulez voir les images? Eh ben allez, il suffit de demander, regardez. On plonge dans la forêt de ce nouveau jeu qui s'appelle Abandoned. C'est un FPS, Survival Horror, qui est prévu pour la fin de l'année 2021, voilà. Toutes les images que vous voyez ici sont capturées sur un jeu qui est encore en cours de développement, hein, mais en temps réel sur PS5. C'est pas sur un kit PC, etc. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. C'est développé par les Hollandais de Blue Box Game Studio. Et le pitch, c'est qu'on se réveille dans une étrange forêt, abandonnée, et sans aucun souvenir de comment on est arrivé là. Sauf que, assez rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, on a été kidnappé et il va falloir, évidemment, essayer de s'en sortir. Alors, la volonté des développeurs, c'est de proposer un jeu ultra réaliste. Mais à la fois, je pense que vous le constatez dans les images, effectivement, hein, quand même, cette forêt paraît très fidèle à la réalité. Il vise la 4K native à 60 images par seconde, avec prise en compte de l'audio 3D, des retours haptiques, etc., de la manette DualSense, et des gâchettes adaptatives, bien sûr. Bref, la totale, pour un titre, il y a de plus en plus, hein, de survival. Quand on voit ces images-là, on pourrait presque penser à Resident Evil Village. Mais, effectivement, avec un rendu plus réaliste que Village, encore, bah, ça va être intéressant, hein, parce que maintenant, au fur et à mesure que les mois passent, les développeurs se font quand même un peu plus la main sur les différentes consoles de nouvelle génération, et quand ce sont des exclusivités, en plus, ils peuvent aller vraiment chercher, farfouiller un peu plus précisément. Le fait que ce soit un studio hollandais me dit qu'ils sont peut-être aussi potes ou un peu proches de Guerrilla Games. Guerrilla Games qui est un des studios first party de PlayStation. Donc peut-être en plus, voilà, ils discutent peut-être un peu, etc. Bon, bref, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, l'ambiance, moi, me fait déjà frissonner. Et c'est vraiment le genre d'ambiance que j'aime bien. En jeu vidéo, hein. Dans la vraie vie, moi, je m'aventure pas dans une forêt comme ça, tout seul, avec mon briquet, etc. Non, ça va aller, hein, tranquillement.